Du coup, ils vont faire un petit setup pour brancher Umiara Kawase comme jeu. Et jouer sur, à mon avis, Super Famicom. Alors, c'est un jeu très bizarre, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, sauf si vous regardez Game Center CX comme émission qui est traduite sur le net. Parce que moi, j'en ai entendu parler par ce jeu. Enfin, c'est par celui-ci, par cette émission plutôt, que je l'ai découvert. Alors, Umiara Kawase, c'est une espèce de jeu de plateforme au grappin. Si vous aimez les jeux avec les grappins et avec des rebonds bizarres dans tous les sens, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé? Oui, Umiara Kawase, c'est une expression en fait. Il y a plusieurs. Il y a des expressions en japonais qui prennent 4 caractères, qu'on appelle des Yoji Jukugo. J'y arrive. Yoji Jukugo, oh mon dieu. C'est vraiment mal la prononciation du japonais. On dirait, voilà, Shishuyu Maya Monaise, comme dirait Gil OL, pour ne pas le nommer. Et donc, cette expression Omiyara Kawase, ça veut dire les poissons de la mer sont gros, enfin, ont un gros ventre, et les poissons des rivières ont un gros dos. Voilà. Et c'est le nom de l'héroïne qu'on va jouer, qui est une espèce de gamine, qui est dans une espèce de monde de rêve avec des poissons partout. Et on se déplace avec un crochet, une espèce de ligne de pêche élastique avec un crochet au bout. Et on s'en sert pour se déplacer de plateforme en plateforme, mais aussi pour accélérer la route. Tandis que la caméra s'amuse à zoomer un peu sur tout le monde. Parce qu'il y a des gens que je connais. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps dessus. Voilà, c'est BGW qui est à gauche entre. Ah, j'allais dire carcinogène, mais si, c'est carcinogène et Bleachy. Qui va jouer. Donc voilà, comme vous voyez, c'est avec un espèce de crochet sur lequel on s'accroche. Le niveau est très, enfin, le jeu est très 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 bizarre, il y a 57 stages, sauf qu'en fait on a des portes qui peuvent amener à différents stages. Du coup on va faire une route très courte qui dure, enfin qui voilà, le speedrun dure 2 minutes hein, pour vous donner une idée. Et c'est un jeu très bizarre parce que si on prend trop de temps à faire le jeu, si on dépasse les 30 minutes de jeu, la prochaine porte qu'on prend, ben, ça nous vire et ça fait game over. Et voilà, c'est très rapide. Du coup, BGW, son temps, il est de 2 minutes 12. Est extrêmement court. Le jeu est sorti sur 3DS. Il est aussi sorti sur PlayStation, ce jeu, en 2D et demi. Vous devez tout savoir. Ce genre de mix entre Bionic Commando et Kid Caméléon. On peut sauter au moins dans celui-là. Ouais, le principe, c'est il y a des Poiskai, on peut s'agripper à eux. Certains, dans certains niveaux, notamment les Hippocampes qui volent, on va devoir s'en servir comme plateforme. Il y a un niveau comme ça. Et du coup, il y a plusieurs sorties différentes. Il faut trouver la bonne pour aller vers la bonne fin. Et donc, il y a vraiment un ordre à trouver particulier pour atteindre la fin du jeu. Et la route, en l'occurrence, la plus difficile, la plus courte, mais vraiment, vraiment, vraiment la plus dure. Justement, dans Game Center CX, la route qu'ils avaient prévue, elle est quasiment 2 fois plus longue. Mais c'est parce qu'elle était, par contre, beaucoup plus facile. Win this race and win a used pizza. P.S. You better pick OOT Child blindfolded or save the animals. Ça parle des dons pour Kirby. Du coup, c'est parti chez moi. Donc on utilise souvent le crochet pour avancer un petit peu plus vite par terre et surtout on va s'en servir, voilà, pour accélérer et voilà, on fait des mouvements complètement fous. Il y a des tapis roulants sur lesquels on peut s'accrocher qui vont être très utiles pour atteindre des plateformes en hauteur. Et on a déjà fini le premier niveau, qui était la course 0. On arrive au niveau 1, du coup, qui commence maintenant, parce que le premier niveau était un peu un tutoriel. On passe par en dessous, parce que, voilà, on est courageux. Et c'est pas, alors c'est pas non plus un jeu très dur, mais du coup les rebonds et le mouvement sont très particuliers. On utilise Y pour s'accrocher avec le crochet, et après on peut faire haut ou bas pour allonger ou raccourcir la longueur de l'élastique. Et du coup, voilà, on a des espèces de mouvements quand on rallonge, enfin quand on raccourcit la longueur de la ligne et qu'on s'accroche à quelque chose, on va vraiment se faire éjecter. Et aussi, voilà, comme on l'a vu, elle peut s'accrocher au rebord, heureusement, ce qui peut nous simplifier la vie. Et là, voilà, le but, c'est d'essayer de faire une espèce de projection vers la gauche pour s'accrocher en haut à gauche, voilà, c'est réussi. Et de grimper petit à petit. Par contre, il y a un escargot, enfin Bernard l'ermite plutôt. Et c'est la chute. Jacques Asmo, non, je n'ai pas du tout joué à ce jeu. Moi, je l'avais vu dans Game Center CX. Du coup, bon, pour l'instant, ça se passe très mal. Voilà, on peut le dire. Ce ne sera pas en 2 minutes, ce sera peut-être en 3 ou 4 seulement. Ouh là là.
Voilà, là ça rentre beaucoup mieux par contre cette vie là. On a 10 vies hein, donc ça peut aller. Hein. Heureusement. Alors au milieu, le SC, ouais, c'est le score qu'on récupère en fait en chopant des poissons et les mettant dans notre besace. Mais on s'en fiche. Et après, on a le temps, donc à droite simplement. Et juste au-dessus, les boules roses sont en fait les sacs à dos. C'est l'indicatif de nos vies. Voilà, ça c'est la route, ça c'est le niveau 2. Et là du coup il y a une plateforme assez galère à avoir parce que la plateforme descend. Il faut attendre qu'elle remonte et prendre la porte très rapidement. Voilà, il y a un timing très 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 court à avoir. Ça nous téléporte au niveau 10. Voici la course 10 avec l'espèce de poteau qui monte et qui descend et on a directement la fin. On est censé faire le tour par la droite, redescendre et remonter. Mais en faisant un bon coup comme il faut, on va éviter les pics. Et là voilà, donc le fameux niveau avec les hippocampes dont je parlais qui est... le niveau 36, ah oui d'accord, parce que je suis en retard en fait par mon truc, c'était le niveau 36 celui-ci, et on va essayer de s'éjecter voilà, pour atteindre celui qui est en dessous, juste en dessous du gros hippocampe, qui va nous téléporter au niveau 52. Donc on va déjà voilà, très très vite, mais bon encore une fois, hein, avec un jeu qui dure aussi peu longtemps, ouh, ça c'était très risqué. Il a réussi à se rattraper au dernier moment. Alors évidemment, l'espèce d'encre envoyée par le poulpe, il faut l'éviter. Ah, il s'est fait tuer par le poiscaille. Il est le premier étonné. Du coup, c'est reparti. J'ai complètement raté le grand commentaire de Bleachy. Il s'est fait retuer. Ah non, ça va, j'ai juste fait stun par l'encre. Et ça parle du coup de la sortie 3DS et se refait tuer par le poisson. Il aurait déjà dû finir le jeu depuis 45 secondes. Hein. Ok, c'est une lettre donc qui est écrite et qui est lue et qui doit être lue justement pendant le speedrun et qui devrait être finie déjà. Mais il a pris un peu trop de temps. Oh bon, c'est la troisième mort ici. Oui, c'est une gemme peu considérée, par erreur. Bleachy en dit que c'est vraiment, on dit vraiment du bien. Il dit que c'est juste dommage qu'ils soient un peu courts. Mais le système de grappin, voilà, la mécanique de grappin est vraiment formidable. Là, on fait descendre la plateforme pour pouvoir remonter derrière et repasser par-dessus. Voilà. Et du coup, on arrive au dernier niveau. Le niveau 55, alors il y a 57 niveaux, mais on peut avoir la fin au niveau 55. Et du coup, voilà, la grosse éjection, on chope le... Ouh, petit volet, il est du bon côté. Oh, parfait, ça s'est très 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 bien placé. Et on arrive directement à la fin, c'est fini. 4 minutes 05, il marque 06, mais il en fait un peu en retard. Et c'est déjà fini. Donc on peut aussi avoir la fin au niveau 57, mais... Alors oui, quand il se passe plus de 30 secondes, plus de 30 minutes à jouer, on a directement donc cet écran de fin, quelle que soit la porte qu'on prend. En fait, c'est le même écran qu'on finisse le jeu normalement ou bien qu'on perde avec les 30 minutes. C'est un peu décevant. Mais voilà, c'était Umihara Kawase. Je vous conseille au moins d'essayer pour tester juste un peu la mécanique du grappin. C'est très déroutant au premier abord, l'élastique notamment, le fait qu'il doit l'allonger et le raccourcir. Son PP, encore une fois, est de 2 minutes 12, qui est vraiment très 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 court. Et c'était donc Umihara Kawase. Encore un petit jeu pas connu de la Super NES qui vaut le coup. Et... voilà. Ça va être le speedrun le plus court, je pense, de cet événement, avec le Any% de Die Hard qui était en 6 secondes, bien sûr, mais qui était une blague.